Donc le vrai chaos, ce n'est pas que quelques-uns sortent. Et que sur les quelques-uns là, 80% de votre talent là, non, c'est pas bien. Il faut que tous les Béninois, tous ceux qui sont en âge de voter, qui sont sur la liste électorale, sortent. Quatre lépis, périmés, pas périmés, avec ça on peut voter. Je veux vous le dire. Les quatre lépis que vous avez sont valables pour aller voter. Ceux qui n'ont pas quatre lépis, qu'une carte d'identité, ils ne peuvent pas le voter avec ça. Ceux qui ont le certificat d'identification, passeport, tous ces documents, on peut aller voter avec. Permis de conduire, on peut aller voter avec. Mes chers amis, tous ceux qui sont en âge de voter, qui ont un papier qui s'appelle permis, carte d'identité, carte lépis périmée, même périmée, je répète, hein, tout ça, c'est bon pour aller voter. Les cas d'identité scolaire. Hein? Non, non, je crois que j'ai trop parlé. Hein. Oui, oui, oui. Le ministre de l'Intérieur, il n'est pas ici, mais il y a des ministres ici. Nous savons, nous connaissons nos réalités. Et à chaque réalité, les solutions appropriées. Si la carte d'identité scolaire permet aux enfants d'aller composer pour le bac, pour le BEPC, et qu'avec la carte d'identité scolaire, on dit, on certifie que c'est l'enfant qui est présent, qui veut composer, qui est l'enfant concerné, mais qui peut le plus que le moins. Donc nos enfants, avec la carte d'identité scolaire, si l'État reconnaît leur identité par cela, c'est valable pour aller voter. Alors, je vais plaider ça.